approche un bateau sur la ligne des Zitana. Ah, c'est sûr qu'arriver à 30 secondes du deuxième, après 1200 milles de course avec plein de rebondissements, c'est assez inespéré. Et le troisième d'ailleurs doit être 2 minutes derrière, à peine, même pas. Et en fait, tout ça, ça s'est fait à quelques milles de l'arrivée, puisque Spindrift a mené quasiment de bout en bout la course, nous a passé juste avant le nord du Danemark. Et après, il a été jusqu'à 10-12 milles d'avance sur nous, mais comme quoi, c'est la ligne d'arrivée qui compte, c'est pas le classement intermédiaire. Bah, content de l'équipage parce qu'on s'est bien battu tout le temps. Faut être très concentré à la barre, faut réussir à se reposer. On n'a pas eu des conditions faciles tout le temps pour dormir. Parce que quand on est au portant le long de l'Angleterre, par exemple, on va dormir là-bas derrière, mais on prend tous les coups de barre en direct dans la couchette, donc on dort pas très bien. Quand c'est au près à faire du saut de vague, on est au milieu du bateau, mais on fait des sauts de vague, donc on dort pas bien non plus. Je sais pas, moi j'ai dû dormir... je sais pas si j'ai dormi plus qu'en solitaire, en fait. Tellement on n'a pas pu bien dormir. Mais je pense qu'il y en a qui ont bien écrasé, parce qu'ils étaient bien concentrés jusqu'au bout. N'est-ce pas là l'essentiel? À mon Yannou! Bravo, Mi. Bravo, les gars. Aïe, 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 aïe.